mode patrouille au complet, paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Rocky et l'inspecteur sont coincés dans la forteresse en carton. Et celui qui est au volant du bus conduit dangereusement. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Ruben met toujours la gomme. Parfait. La Bat Patrouille part en mission. Faites-moi sortir! Je ne peux pas! On doit résoudre les énigmes pour que les portes s'ouvrent! C'est toi qui l'as construite, tu ne connais pas toutes les réponses? Non, moi j'ai seulement installé les écrans. C'est l'ordinateur qui choisit les énigmes. Ah bon, dans ce cas, à l'aide! C'est pas vrai! Attention, monsieur, un bus arrive à toute allure! Je vais arrêter la remorque! Je m'occupe du bus! Pilotage automatique! Préparation! Et... je saute! Désolé, vous deux, la balade est terminée! C'est du bon travail, Zuma! J'espère que Ruben rattrapera cette remorque à temps! Je te tiens! Ouf! Troy! Ouh! Voilà, on tient la remorque! Alex, me ferais-tu cet honneur? La forteresse en carton de la Grande Vallée est officiellement ouverte! Youpi! Wouhou! Merci d'avoir sauvé notre forteresse! Y'a pas de quoi! Si votre forteresse s'est fait la malle, il suffit de nous appeler! Tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo! Et ces grandes statues, François? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo. Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque. Quelle légende fascinante! Oui, fascinante et étincelante! Oh! Ce n'est pas une pierre précieuse, c'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super pouvoirs! Ces statues bougent, je n'ai pas rêvé. Arrêtez! Oh, ça alors, on dirait que vous m'avez obéi. Apportez-moi le coffre au trésor là-bas. Je peux leur demander ce que je veux. Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille. Bon, je vous explique. Nous allons faire sortir du musée Madame Pi en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue. Et nous récupérerons la statuette de Lupo. L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue. On l'aura. Vous comprendrez quand on volera dans notre super avion au-dessus du désert. Maintenant, voilà la suite du plan. Oh, c'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses. Oh, elle est tellement énorme, tellement étincelante! Apportez-la au musée, dans mon repère! Quoi? Je vous ai bien eu, Madame Pi! Quoi? Tu n'es pas une statue? Non, je suis de la super patrouille! Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous! Merci beaucoup, Bat Patrouille! Vous avez sauvé l'exposition en rapportant son joyau! Mais de rien, si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler! Retrouve-les! Nous devons transformer notre plage en nid douillet pour accueillir les tortues marines! Elles devraient arriver aujourd'hui pour pondre leurs œufs! Et voilà, terminé! Chères tortues, vous m'entendez? Vous pouvez pondre vos œufs ici, il n'y a plus aucun déchet! Plus aucun déchet, n'est-ce pas? J'ai la solution. Nous allons transformer cette plage en déchetterie. Comme ça, les tortues refuseront de s'en approcher et devront nager jusqu'à Funkypotam. En revanche, nous avons un petit problème. Rocky, ce chien ramasse les ordures plus vite qu'on ne les jette. Nous allons donc devoir le maintenir éloigné. Oh, même l'eau est dégoûtante. Les tortues risquent de prendre peur. Il faut que j'intervienne. Remorqueur! Oh! Hé, revenez! Oh! Hé,
c'est à moi, tu n'as pas le droit. Il me faut un moyen de transport rapide. J'ai réussi à fabriquer le meilleur propulseur de tous les temps. J'adore le recyclage. J'ai même trouvé des bonbons à la menthe. Même s'ils sont déjà périmés, ils me permettront de décoller. La Grande Vallée, me voilà. Recycler, c'est bien joué. Rocky, qu'est-ce que tu fais là? Les jetons, allez-y, videz la benne. Pas si vite, les amis. Je crois que ceci m'appartient. C'est bon, Ryder, j'ai récupéré mon remorqueur. L'eau est toute propre. Préparez-vous, les tortues se dirigent vers la plage. Excellente nouvelle et excellent travail, Rocky. Ça y est, elles sont là. Hip, hip, hip. Chut. Oh, hourra. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu aussi vite. Monsieur Ellinger est venu avec son camion poubelle un peu spécial, le camion Poubellinger. Une mouette est entrée à l'intérieur et a déréglé tout le programme. Maintenant, le camion sème des déchets dans toute la ville. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs. Et aussi de Rocky. Recycler, c'est bien joué. Parfait, la patte patrouille part en mission. Je n'en reviens pas. Le camion a semé des cubes jusqu'ici. On va les ramasser grâce à ceci. Quel camion impressionnant! Regarde un peu ça. Ça, on peut dire que c'est du surcyclage. C'était usagé et on l'a transformé. Ryder, j'ai trouvé le camion Poubellinger. Où est-il? À la sortie de la ville, il se dirige vers un pont basculant et il est en train de s'ouvrir. Les deux côtés du pont sont levés. Mais comment on va accéder au camion? Tous ces tubes de déchets nous bloquent le passage. Fonction surcyclage à la rescousse. J'ai compris ce que tu fais et c'est très malin. Et voilà, on a fini. Je vais attraper ce camion. Je te tiens. Wouhou! Bravo, tu t'es surpassé, Rocky. Oh, merci de nous avoir sauvé la mise, chère Pat Patrouille. Avec plaisir. Si vous êtes envahi par les déchets du camion Poubellinger, il suffit de nous appeler. Des mers au complet et paré à l'action, commandant. Nous devons éloigner tous les poissons d'un volcan sous-marin qui va bientôt entrer en éruption près de l'île du Grand Cratère. Oh, oh non! Mademoiselle Marjorie et Ménard s'apprêtent à la rejoindre pour retrouver un vieil ami, Zarigan Okai. Notre mission est plus complexe que prévu. J'ai besoin de Marcus. Sur ton hors-bord, tu chercheras Mademoiselle Marjorie et Zarigan pour les avertir du danger. Je suis tout feu tout flamme. Alors allons-y! La patte patrouille des mers part en mission! Aloha, mon ami! Bonjour! C'est toi, Ménard? Ben ça alors! Bonjour, Zarigan! Oh, Marjorie! Oh! Ménard, ne t'en va pas! Reviens! Marjorie, écoute-moi! Je t'attends de l'autre côté de l'île! Ryder, nous avons un raton laveur en fuite! Aloha, vous êtes des amis de Marjorie et Marcus? Ils ont besoin de Kokua, d'aide! Oh non! Le volcan de l'île entre en éruption! Marcus, aide-moi à pousser ce palmier! Vite! Que comptent-ils faire? Ils vont surfer sur les rochers! Accroche-toi, Marcus! Ça risque de décoiffer! Bien joué, Maya! Youhou! Youhou! Bien joué! Ils ont réussi! Quelle maîtrise! Merci d'être venu à notre secours, Ryder! Mahalo pour ton aide! Surtout, n'oubliez pas, si un volcan risque de gâcher vos retrouvailles, il suffit de nous appeler et nous vous viendrons en Kokua! Je vous souhaite la bienvenue au concours d'observation d'oiseaux de la Grande Vallée. Moi, je m'approcherai discrètement de mes amis à plumes avant d'appuyer sur le bouton. À vos oiseaux, prêts, partez!
relié à votre bleu. Oh, un nid. Une photo des oisillons, voilà qui serait merveilleux. Ah, ah. Attendez, je dois envoyer mes dernières photos à Madame Goodweb. Oh, oh, oh. Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Je suis perché tout là-haut, la patte patrouille. Dans quelques instants, vous serez en bas et de retour dans la compétition. Échelle. Allez-y, Capitaine Turbo, descendez. Je n'arrive pas à poser mon pied. J'arrive tout de suite. Je vais bien, tout comme maman oiseau. Ah, le nez. On s'en occupe, ne vous en faites pas. Allez-y, descendez. Rocky, cherche quelque chose qui pourrait servir de nid. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vous ai trouvé un nouveau nid douillet. Excellent travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en lieu sûr. Ah, j'ai trouvé. Regardez. Accroche-toi, Rocky. Bienvenue chez vous, les amis. J'espère que ça vous plaît. Je crois que ça veut dire merci en langage oiseau. Oh, vous faites quoi, Monsieur Wingnut? C'est le Turbodisque 3000. Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancé. Il devrait revenir vers moi, non? Oh, arrêtez ce Turbodisque! Oh, que s'est-il passé? Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Oh, vous tombez à pic, les amis. Nous allons vous aider, Monsieur Porter. Marcus? Échelle! C'était moi une. Merci beaucoup. Oh mince, j'ai oublié mon seau tout en haut. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Hein? Waouh! Je vais bien. Soucoupe volante droit devant. Le turbodisque a emporté Cali. Quelle est la solution? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la Grande Vallée. L'expert? Le chien robot! Attrape ce disque, chien robot! Chase, maintenant! Filet! De la patte patrouille sur Nickelodeon Junior.